Sur Minecraft, vous le savez, si on se met en mode spectateur, eh ben on peut cliquer sur un mob et on voit ce que le mob voit. Là par exemple, si je suis devant le cochon et que je clique dessus, bah je me transforme en cochon. Et ça marche pour toutes les entités. Si je mets un bateau par exemple, eh ben je peux voir ce que voit le bateau. L'intérieur d'un cochon en l'occurrence. Mais un item que je drop par terre, c'est aussi une entité. Sauf que je peux pas cliquer dessus pour aller la voir, mais c'est pas grave. Parce que à l'aide d'une commande, je vais pouvoir voir ce que voit l'item tout simplement. Donc c'est simple, je vais jeter l'item par terre. Là, ensuite je vais me mettre devant lui, je vais faire slash spectate, donc qui nous permet d'être en spectateur dans un item. On va faire arrobase e type égale item limit égale 1 pour qu'il n'y ait qu'un seul item et sort égale ni reste qui en gros va mettre l'item le plus proche. Et voilà ce que voit le sable. Regardez-moi ça, je suis du sable et c'est stylé parce que si on change le point de vue, genre l'animation ne change pas. Genre entre ce F5 là et ce F5 là, vous voyez que l'animation change pas. Si là, je me mets devant les graines par exemple, bah voilà, là je suis des graines quoi. Au final, ça voit pas grand chose de différent que nous les humains. Abonnez-vous.